Bonjour, je m'appelle Estelle Mvang, la fille d'Mvang. Bref, je suis Mvang. Et ce que je vais dire, ça relève d'Mvang. Je suis désolée, je suis Mvang. Et l'Mvang parle, Mvang, ça parle, Mvang, ça se cache pas. Je remercie déjà le ministère de la Culture qui a bien voulu inscrire mon nom parmi tous les artistes qui devaient se rendre pour toucher une répartition spéciale, comme ils le disent, du droit d'auteur. Mais comme on sait tous, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Je parle aujourd'hui sur deux volets. Je m'adresse à mes frères, les musiciens. La guerre, c'est pas bien. Il faudrait plutôt qu'on s'arme de cran et de courage, de dire qu'on n'est pas d'accord au lieu de chercher à faire des problèmes, à soulever les uns contre les autres. Je pense qu'il serait mieux que nous mettions ensemble et que nous disions non. Trop, c'est trop. Bon, certaines personnes estiment que c'est déjà extraordinaire d'avoir son nom sur la liste de 100 000, mais je dirais il faudrait peut-être restructurer le rôle du ministère de la Culture, parce que si le rôle du ministère de la Culture, c'est de reconduire les listes sur 5 ans, sur 10 ans, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ceux-là qui accompagnent le ministre de la Culture dans son travail ne font pas leur travail. Donc, le ministre de la Culture devrait vérifier le travail que ses collaborateurs font, parce qu'ils ne le font pas du tout. Parce que je pense que sur une répartition de droits d'auteur, on devrait non seulement suivre ce qu'on joue, mais aussi suivre l'évolution des artistes. Parce que parfois, il existe des artistes qui ne sont pas joués tout le temps, mais qui représentent valablement la culture camerounaise partout, à l'étranger. Et même dans les esprits des uns et des autres, ici même. Parce que si ceux qui sont populaires, c'est ceux-là qui sont en avant, ça veut dire que la culture camerounaise est fichue. Hein? Parce que je pense qu'il serait même important de voir ce que mes différents frères et sœurs artistes sortent de nos jours. Moi, je vous ai dit, hein, c'est sans fâcherie. Oh, je suis une vingt. Oh. Je suis une vingt. Et l'invent, ça parle. L'invent, ça ne se cache pas. L'invent, ça dit la vérité. Vous en savez quelque chose. Le divisionnaire, pendant les 6 avril, vous connaissez. Le révérend Père Ajaïbev, vous connaissez où? Non, l'invent, ça parle, ça dit la vérité, ça parle avec le cœur. Et moi, je chante avec mon cœur. C'est pourquoi d'autres pensent que je suis extraordinaire, mais c'est simplement parce que je chante avec mon cœur et je vous parle avec mon cœur. Donc, je m'adresse aux artistes. Si vous n'êtes pas content, arrêtez de faire semblant et de dire que non, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Si vous ne dites pas que c'est pas bon, personne ne saura que c'est pas bon. Parce que les gens gâtent le nom du président de la République. Ce n'est pas le président de la République qui gâte le Cameroun. C'est les gens qui sont autour de lui là. Donc, c'est les gens qui sont autour de lui. C'est là qui gâtent. Donc, vraiment, allons voir le ministre. Même si on écrit 10 000 fois, même si c'est
d'autres mandats d'un autre ministre ou d'autres ministres, on va finir par nous recevoir. Donc, mais armons-nous de cran, parce que je pense que, les gars, vous n'avez pas le cran. Vous n'étiez pas content hier au ministère de la Culture, mais vous parlez doucement, doucement, vous insultiez doucement, doucement, doucement. Je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Et puis, c'est tout, quoi. Soyons francs.